1915, c'est une date charnière, parce que 1915, comme je l'ai dit, c'est l'occupation d'Haïti par les Américains. À cette époque, le capitalisme américain s'est développé et se transforme en véritable impérialisme, et les pays d'Amérique latine, principalement les pays des Caraïbes, sont considérés par les grands intérêts américains comme des zones de domination, comme des zones de conquête. Et c'est par exemple l'occupation de Cuba, c'est l'occupation du Nicaragua, l'occupation de la République dominicaine et en 1915, l'occupation d'Haïti. Les dirigeants américains présenteront comme prétexte qu'ils sont venus rétablir l'ordre, qu'ils sont venus apporter du progrès, qu'ils sont venus apporter du bien-être au peuple haïtien, mais fondamentalement, ce qu'ils cherchaient, c'est étendre leur influence sur Haïti comme ils l'avaient étendu sur d'autres pays de l'Amérique latine ou même d'ailleurs comme les Philippines ou Hawaï. Quelle a été l'attitude des Haïtiens face à l'occupation américaine? D'abord, l'attitude de servitude, l'attitude de capitulation, de soumission des classes dirigeantes, qui non seulement souhaitaient l'arrivée de l'occupant, ont appelé l'occupant. Et immédiatement, ces classes dirigeantes ont collaboré avec les Mérines pour dominer et exploiter Haïti. Leur espoir était clair, sauver le vieux système qui était en train de s'écrouler et profiter de la présence américaine, profiter de la présence d'occupants prétendus généreux pour s'enrichir aux dépens du pays. L'autre attitude, c'est la résistance. Mais fondamentalement, la résistance des masses populaires, la résistance des paysans, sous la direction du grand leader haïtien Charlemagne Peralte, qui a mené une guerre, une véritable guerre de guérilla contre l'occupant, jusque en l'année 1919, son principal officier étant mort, lui, en 1920. Donc on peut dire que de 1915 à 1920, pendant 5 ans, les paysans haïtiens du Nord et de l'Artibonite ont opposé une résistance armée, farouche, héroïque à l'occupant. Ils ont résisté pendant longtemps et ils n'ont cédé que devant des moyens techniques très développés et devant le manque de soutien d'autres secteurs de la nation. D'ailleurs, ça a été une véritable hécatombe puisqu'on peut... On compte les victimes de l'occupation américaine au nombre d'environ 50 000. Après la résistance armée des paysans, s'est développé dans les villes, dans les secteurs des couches moyennes surtout, un mouvement de résistance pacifique, un mouvement patriotique qui a amené beaucoup d'agitation dans le pays, qui a forcé l'opinion nationale et l'opinion internationale à se pencher sur le drame de l'occupation américaine. Et tout ce mouvement-là, associé aux pressions internes même aux États-Unis, a amené l'occupant en 1934 à partir, à quitter Haïti. Ce n'était pas la libération d'Haïti, parce que en partant, l'occupant avait laissé tous les mécanismes d'exploitation de cette néocolonie qu'il avait eu en main pendant 19 ans. Des liens économiques, par la présence d'entreprises américaines installées dans le pays, des liens financiers, des liens politiques. Toute la politique haïtienne était décidée de l'ambassade américaine ou bien de Washington. Et l'armée haïtienne qui avait comme fonction nouvelle de veiller sur les intérêts américains et de voir à ce que les hommes politiques obéissent au diktat de Washington. Cette armée avait désormais le monopole de la violence puisque les masses paysannes avaient été désarmées et écrasées.
Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, du sucre Coca-Cola. Mais en 1934, les Américains peuvent partir tranquilles parce que le pays est complètement jugulé, complètement dominé par des mécanismes qu'ils ont mis en place. Ces mécanismes vont fonctionner avec une façade de modernisation, une façade de démocratie de 1934 jusqu'à 1957, jusqu'à l'avènement du Duvalier. Je dis une façade parce que derrière le paravent de la démocratie, derrière le paravent de la liberté, c'était en fin de compte un pouvoir exécutif et surtout un président qui disposait de tous les droits et qui faisait ses volontés par des élections truquées, par la violence et par tous les moyens antidémocratiques. Qui est-ce qui subissait cette domination? Principalement les masses paysannes, principalement les masses populaires des villes qui ont été écartées de la scène politique et qui servaient seulement de marionnettes au moment des élections comme figurants pour apporter leur vote. Et ce système va fonctionner avec plus ou moins d'harmonie, avec jusqu'en 1957, avec néanmoins quelques soubresauts. Par exemple, 1946, un secteur des classes dirigeantes, le secteur des couches moyennes noires, va prendre le pouvoir. On va parler de révolution de noirs, mais en fin de compte, ce sera tout simplement contrôle pris par une nouvelle équipe politique qui écarte une ancienne équipe politique. Ce qu'on pourrait appeler cette expérience de 46 finit en 1950 dans une certaine confusion quand l'armée va prendre le pouvoir. Naturellement, toujours avec une façade de démocratie puisqu'il y aura des élections, mais le chef de l'armée, le général Magloire, sera élu président. C'était d'ailleurs le dirigeant ou un des principaux dirigeants d'une ancienne junte militaire. Et ce pouvoir qu'il prend, il le garde jusqu'en 1956. De décembre 56 jusqu'en septembre 57, c'est une bataille politique très dure, très âpre, entre diverses équipes qui veulent contrôler le pouvoir. Principalement des politiciens de 1946, qui avaient été frustrés de leur victoire, veulent en quelque sorte reprendre leur revanche. Ils se réclament d'ailleurs de cette expérience de 1946. Ils se réclament du prestige de l'ancien président de l'époque. Et ils reviennent d'ailleurs avec les mêmes slogans, les mêmes mots d'ordre, c'est-à-dire des politiciens noirs doivent être au pouvoir parce qu'ils représentent les masses noires. Et l'affrontement se fera entre Duvalier, qui se présente comme l'héritier de 1946, celui qui veut prendre la revanche, continuer l'expérience de 1946, et le candidat Louis Desjoies qui représente l'autre fraction des classes dirigeantes.